Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle fois un dessert, une tortilla façon tarte aux pommes. Alors, pour cela, vous aurez besoin de très peu d'ingrédients en fait. Pour une personne, il vous faudra une petite tortilla, une sorte de galette de blé mexicaine, un peu de beurre demi-sel, de la pâte de pistache, une pomme, alors l'idéal c'est la variété Boskop, mais bon, je n'ai pas trouvé donc j'ai pris une golden, de la cassonade et quelques pistaches. Pour commencer la préparation, nous allons étaler un peu de pâte de pistache sur toute la tortilla. Une pâte de pistache que vous trouvez dans les magasins spécialisés ou sur internet, que vous pouvez faire vous-même aussi. Il ne reste plus qu'à répartir harmonieusement les tranches de pommes sur toute la surface de la tarte. On va maintenant parsemer la tarte de noisettes de beurre. On va saupoudrer de cassonade. Il ne reste plus qu'à enfourner pour 20 minutes à 180 degrés. C'est presque terminé. Il ne manque plus qu'à la parsemer des pistaches qu'on a concassées et de savourer, pourquoi pas, accompagné d'une boule de glace. Voilà, j'espère que ce dessert très rapide à réaliser vous aura plu. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle recette sur la chaîne du Palais des Saveurs. À bientôt, au revoir.